congolais. Les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. La MONUSCO réaffirme son engagement logistique d'appuyer la CENI dans les transports de kits électoraux dans des zones inaccessibles. En prévision des élections de décembre 2023, ceci conformément au mandat lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Kassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge des opérations de maintien de la paix et de la protection, l'a dit ce lundi 2 octobre 2023, au cours d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Louboyan Kachumadjoun. La question du retrait progressif de la MONUSCO dans ces pays de l'Afrique centrale a été aussi évoquée. Sur le volet élection, vous savez, le mandat que nous a confié le Conseil de sécurité l'année dernière, en décembre 2022, et qui est en cours maintenant, il est très précis sur le rôle de la MONUSCO par rapport à ce volet-là. C'est en fait un volet de soutien logistique et opérationnel. Dans les trois provinces où nous sommes encore, c'est-à-dire le Sud-Kivu, les deux Kivu et l'Ituri. Donc, comme vous le savez, il y a quelques mois, à la demande des autorités, nous avions déjà transporté le matériel électoral dans ces provinces-là. Et nous sommes entièrement à la disposition des autorités pour continuer ce soutien. Depuis son déploiement en RDC, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo a toujours été un partenaire par excellence du gouvernement congolais sur les plans de développement et des opérations. Aussitôt entré en fonction, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboua, voudrait avoir la maîtrise de l'effectif des agents et fonctionnaires de l'État. Objectif, améliorer l'enveloppe salariale de ces derniers. Voilà ce qui justifie le lancement ce lundi 2 octobre 2023, ici à Bounia, du contrôle biométrique des 11 604 agents de l'État de l'Ituri, cérémonie présidée par le gouverneur de l'Ituri qui s'allie. Cette opération. Souvent je suis avec la commission ici. C'est tout le temps qu'il y a des voyages à Kinshasa, tout le temps qu'il y a des choses à régulariser. Mais vraiment, je voudrais que vous profitiez de cette opportunité pour que le travail soit bien fait. Merci et bon travail. Et sur ce mot, je lance l'identification du personnel de l'État ici. Le chef de la délégation de la fonction publique, Massoso Antonio, donne les étapes à suivre lors de cet exercice. Le numéro matriculé n'est pas un héritage. La mort, c'est un destin pour tout le monde. Si vous mourrez, vous partez avec votre numéro matriculé. On ne peut pas hériter ça. Ton frère ou bien ta chère ou bien les enfants ne pouvaient pas hériter ça. Le chef de division de la fonction publique, Annie Toury, le premier à obtenir sa carte de main de l'autorité provinciale, exprime sa joie. Le sens que moi j'accorde à cette carte
c'est purement exceptionnel, parce que depuis que nous sommes dans l'administration publique, nous n'avons pas été identifiés comme agents de carrière de service de l'État, même si nous sommes fonctionnaires qui touchent les salaires et la prime, mais nous étions toujours comme des agents qui doutaient de la carrière où nous sommes fonctionnaires. Cette première vague de contrôle biométrique ne concerne pas l'enseignement supérieur et universitaire, le PST, aussi bien la recherche scientifique. 23 jours durant, ce contrôle biométrique se fera en attendant la deuxième vague. Le chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasson-Gachibon-Léon Richard, a présidé ce mercredi 27 septembre 2023 une importante réunion entre les FARDC qui n'étaient pas convenus pour appuyer la mise en œuvre du plan de la réforme des FARDC. Ses partenaires constitués de l'Union européenne, de la MONUSCO, de la Banque mondiale, de l'Institut d'Alert et autres ont échangé avec le général Kassonga en présence du général de brigade Bolingué Didier, conseiller à la réforme du chef d'état-major général. Le cadre logique de la mise en œuvre des activités de la réforme de notre outil de défense a été au centre de cette rencontre. Pour le général Bolingui, cette rencontre fait suite au séminaire d'évaluation du plan de la réforme tenu au mois de juin dernier pour la réalisation des actions phares de ce plan. Cette fois-ci, nous avons tenu pour la première fois à tenir ce sommet à l'état-major général. C'est l'état-major général, c'est elle qui est la cheville ouvrière de la réforme. Au mois de juin dernier, nous avons tenu un séminaire d'évaluation. Nous avons évalué. À l'issue de cette évaluation-là, il y a des recommandations qui devaient faire des réformes, parmi lesquelles la réalisation de certaines actions phares dans le cadre de l'institution, là où les pouvoirs publics se sont arrêtés et les partenaires qui sont là. Je crois que ce n'est pas, quelque chose, ce n'est pas une étape. Contrairement aux déclarations des terroristes de l'armée rwandaise opérant sous le label du M23 qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les forces armées de la République démocratique du Congo reste et demeure respectueuse du cessez-le-feu, ainsi les engagements pris par les chefs d'État de la sous-région dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Masisi et plus précisément aux environs de la localité de Kiloliwe ce dimanche 1er octobre 2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ces jours par le biais de son porte-parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonné dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions, elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fait à Goma, le 1er octobre 2023. Une délégation composée de quelques chefs de département conduite par le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbaru Machita Marcel, a quitté Kisangani ce dimanche 1er octobre 2023 à destination de Bukavu via la ville de Goma en mission de service. À l'aéroport international de Bangoka, le commandant de la 3e zone de défense s'est fait accompagner de ses deux adjoints, respectivement celui en charge des opérations et renseignements,
le général-major Kamassa Moutoupek est dédonné et en charge de l'administration et logistique, le général de brigade Sangwa Mohamedi John. Arrivé à Goma à 17h local, la délégation était reçue par deux officiers généraux et supérieurs de la garnison, avec à leur tête les commandants de la 34e région militaire, le général-major Mpezo Brino. En outre, le commandant de la 3e zone de défense a eu droit aux honneurs militaires dès son arrivée à l'aéroport international de Goma, avant d'être reçu par le gouverneur du Nord Kivu ad intérim, le général-major Chirimwami Peter, avec qui l'autorité a eu un tête-à-tête de plus d'une heure. L'Association des épouses militaires en sigle AM a lancé ce samedi 30 septembre 2023 les projets de formation à coupe et couture. Les projets Yekola Lelopona Lobby est destiné à l'encadrement des dépendants des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de leur autonomisation. La cérémonie de lancement a été présidée par Liliane Mbemba, épouse du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, dans l'amphithéâtre Tianzhou du Collège des hautes études de stratégie et de défense sur l'avenir des forces armées communes de la Gombe. Dans son mot de circonstance, Madame Bonebana Denise Ishaingonza, vice-présidente de l'association, a au nom de Madame Nathalie Tchouewe, présidente de l'association des épouses militaires empêchés, inciter sur les objectifs de l'association, ses réalisations, ensuite inciter les membres de cette association à l'unité, à la connaissance de leurs droits, de cette obligation d'épouse et des mères. Elle les a exhortés à l'amour du travail pour leur autonomie. L'association des épouses militaires a elle la sigle, ne pouvait s'y soustraire parce qu'elle a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions sociales. À travers le programme d'apprentissage de Messieurs. Depuis son existence, l'association de secours de militaires a déjà eu à réaliser quelques projets et activités sur fonds propres, notamment la construction des latrines séparées, puis et garçons, à l'école maternelle au camp Okolo, la distribution de nourriture, puis aux enfants, la distribution des torts aux sinistrés du camp de l'eau. Et aujourd'hui, nous lançons le projet de formation en coupe de couture avec un objectif de résultat par prénom, formation conventionnelle de 3 mois. À titre symbolique et d'encouragement, Liliane Mbemba a remis l'épargne à l'association. À l'issue de cette cérémonie, voici les réalisations du général-major Kisenzo Thomas, représentant du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, de la représentante de Madame ministre Dinja, famille et enfants, et de Madame générale Monia Mbara. Thank you.
les armées sont engagées dans les opérations, à savoir l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, qui mènent les opérations sur les sols congolais. Et nous avons multiplié des rencontres à chaque phase opérationnelle pour évaluer ces phases. Et il faut dire que c'est un accord, toutes ces réunions, sur le mémorandum bilatéral d'entente et aussi avec les statuts d'accord de force, ce qu'on appelle tout simplement SOFA. Et les deux armées ont signé ces accords pour travailler ensemble et traquer l'ennemi commun qui est les terroristes à l'FMTM dans la République démocratique du Congo et aussi sur le sol ougandais. Vous vous rappellerez que le 30 août dernier, les deux chefs d'état-major généraux de l'armée FARDC et UPDF se sont rencontrés à Kampala et où ils ont discuté sur l'évolution de la troisième phase et comment harmoniser la quatrième phase. Et aujourd'hui, ceux qui sont engagés dans les opérations, c'est-à-dire les trois parties, le secteur opérationnel Ituri, le secteur opérationnel Sokola N, Grand Nord, Abeni, et aussi l'armée ougandaise, UPDF, se sont rencontrés depuis le 27 septembre et aujourd'hui le 29, 48 heures pour mettre en musique les résolutions prises par la hiérarchie des deux armées. Nous sommes ici pour discuter ensemble, mettre ensemble les stratégies, ce qui a marché pendant la troisième phase, ce qui n'a pas marché, pour entamer ainsi la quatrième phase des opérations militaires sur le sol congolais. Mais il faut dire que toutes les deux parties sont mises d'accord pour continuer les opérations sur le sol congolais et traquer aussi les ADF qui sont à Douganda et surtout les collaborateurs de cette force terroriste. Donc sont mis d'accord et nous pensons que les opérations vont continuer avec l'appui de nos deux peuples sous la bénédiction bien sûr des deux présidents, à savoir Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni de Douganda. Nous sommes dans la cité de Port-Fondal, dans la République sœur de l'Ouganda. Les militaires réconditionnés au centre de formation de Paul Malébo de Maluku ont été conduits à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, pour combattre l'animisme Mobondo et instaurer la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays. Ces militaires ont été acheminés sur place par le général-major Ilunga Peko Edmond, chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignement de la force terrestre. Au cours de sa posture morale réalisée à Kenge, le général-major a appelé ses militaires envoyés en appui à la 11e région militaire à mériter la confiance placée en eux par la hiérarchie et à intoniser la devise des FARDC « Ne jamais trahir les Congos ». Économique et de le développement socio-économique, culturel et civilisation.
Toye na bandeko oyo boye awa na misa commandant les gens autocotique la bimona na maboko autocotique la bimona na maboko da toye fait bien yapa autocotique la maboko na e boye awa parce que boligi Congo toyo kani voilà bongo. Sur place, un état-major commandement a été constitué et présenté au chef d'état-major adjoint de la force terrestre. Ce dernier a aussi pris part au briefing présenté par le commandant de la 11e région unitaire, le général-major Padiri Moukid Jonas. Bozana commandant bataillon, Tozoko et Bongo par régiment dans 22 jours, et pour la régiment Bongo la paix commandant régiment la Bino. Si son chemin de retour, le général Ilouma Peko s'est écluné devant les tombes de certains militaires tombés sur les champs d'honneur à Botangalozo et a rencontré les chefs du groupement Teke à Mongata. Congolaise, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Où la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barungo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Toto Mbola Benedele et Ambo Kanaliso.